Et bonjour les amis, c'est Maurice et Chantal de la Cantal. Bonjour Maurice. Alors, ma chère Chantal, quel est l'objet extraordinaire que vous nous avez sélectionné aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous proposer un objet un peu de l'intimité d'une politique. Ouh là là ! D'une personnalité politique ? Oui, mon cher Maurice. Les slips et la culotte de Marlène Schiappa. La culotte de Marlène Schiappa. Eh oui, mon cher Maurice. Vous êtes sûr, c'est extraordinaire, Chantal. Vous voulez nous dire, attention, hein, que cette culotte aurait appartenu à Marlène de chez Schiappa. Oui, mon cher Maurice, pour vous expliquer son histoire, elle l'aurait achetée lorsqu'elle avait 15 ans. 15 ans, les amis. Et à chaque fois qu'elle fait une apparition télé, elle porte cette culotte. Oh ! Et pour vous dire d'où elle nous vient, cette fameuse culotte de Marlène Schiappa. Ben oui. C'est Monsieur Cyril Hanouna lors du grand débat de Balance ton porc. Monsieur Cyril, de voilà, chez Hanouna. Qui nous l'avait donné pour nous la vendre. Il l'avait piqué, pour être précis, dans sa loge. Il lui aurait dérobé à l'insu de son plein gré. Voilà, mon cher. Elle n'aurait rien senti sur l'instant. Elle n'aurait rien senti. Vous savez que dans les loges de TPMP, ça ken beaucoup. Donc, je ne sais pas. Je n'étais pas au courant. Donc voilà, ma chère Chantal. La fameuse culotte donc, de cette culotte qui... Ah, ça sent un peu le poisson. Évidemment, ça sent le sport. On sent la sportive. Ça fait beaucoup de sport. Hein, de la natation, je pense. Hein, oui, ça sent la marée. Donc, cette culotte donc, n'a pas été lavée. Elle n'a pas été lavée depuis ses 15 ans. Oh, depuis 15 ans non, depuis qu'elle elle a 15 ans, c'est-à-dire qu'elle a maintenant plus de 40 ans. Hein, oh, donc, je pensais qu'elle avait fêté ses 17 ans. Non, mon cher Maurice. On m'aurait menti. Alors, il faut savoir que si elle a la veste, elle lui aurait pu porter chance, évidemment, lors de ses plateaux télévisés. Serait-ce une culotte porte-bonheur ? Pour elle, pour Marlène Schiappa, c'est la culotte porte-bonheur, évidemment. Et pour nos chers téléspectateurs, ce culotte pourrait porter chance. Cette culotte pourrait la porter chance à nos téléspectateurs, évidemment. Par exemple, pour tout vous dire, Marlène Schiappa, grâce à cette culotte, elle a eu le droit d'être ministre de Madame Macron il y a quelques temps. Extraordinaire. Donc, avec cette culotte, en fait, c'est un peu un laissez-passer au sein du gouvernement. C'est cela, mon cher Maurice. C'est peut-être que... Voilà. C'est comme un peu le badge de Benalla, sauf que là, ça serait la culotte de Marlène, excusez-moi. Donc, avec cette culotte, vous pouvez pénétrer un peu partout. Peut-être même que Jean-René Latour pourrait y aller avec à l'Élysée, peut-être qu'il sera accueilli par M. Macron. Ça ne va pas être facile de rentrer dedans. C'est sûr, mon cher Maurice. C'est sûr. Donc, cette culotte est-elle toute taille ou y a-t-il une taille standard de fesses pour s'introduire dedans ? Elle est toute taille, elle peut très bien s'élargir, tout le monde peut rentrer dedans. Cette culotte est extensible, Chantal ? Elle est extensible, évidemment. Ouh. Elle est extensible pour vous donner même quelqu'un de 300 kilos pourrait rentrer dans cette culotte. Alors comme ça, on croirait 300 kilos. On croirait pas, on pourrait dire, oh non, il y a que les enfants qui peuvent rentrer dedans. Mais non, elle est très extensible, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, cette culotte est-elle en unique exemplaire ? Unique exemplaire, parce que c'est le porte-bonheur de... Exemplaire unique. De Marlène Schiappa. Offre exceptionnelle. Offre exceptionnelle. Exceptionnelle, les amis. Y a-t-il un prix correct pour cette culotte ? Ce prix correct, c'est de 305 euros. 305 euros. N'hésitez pas. Pour cette culotte. Porte-bonheur. Qui aurait appartenu à Marlène Schiappa. En tout cas, elle se serait introduite à l'intérieur. Elle l'aurait portée. Depuis l'âge de ses 15 ans, les amis, c'est extraordinaire. Donc il y a environ 25 ans qu'elle l'a, hein, évidemment. On n'est pas là pour divulguer les âges des personnes. Ma chère Chantal, je pense que si on dirait le vôtre, les gens seraient choqués. Donc cette culotte... Je vous permets pas, Maurice. Cette culotte est-elle waterproof ? Elle est waterproof, faut savoir qu'on peut se baigner dedans et elle restera très sec. De chez Waterproof, donc. Elle peut rester très sec, hein. On peut faire ses besoins dedans, qu'elle resterait propre. Alors, cela reste de l'intimité personnelle. De Marlène Schiappa, évidemment. De tout à fait. Voilà,
Donc les amis, n'hésitez pas à envoyer vos virements, vos chèques, vos PEL à l'adresse indiquée. Et pour cette culotte exceptionnelle. Hein, je pense que ça va se bousculer au portillon. On fera peut-être un tirage au sort. N'hésitez pas de mettre un commentaire, un j'aime. Il y aura peut-être un tirage au sort pour cette culotte exceptionnelle. 305 euros. Donc celui qui met le plus de commentaires recevra cette culotte dédicacée. Dédicacée par Marlène Schiappa elle-même. Ouh, extraordinaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, ma chère Chantal, je vous dis à la prochaine pour un objet, j'espère, encore plus extraordinaire.